Nous avons retrouvé Sarah Hamout dans son atelier où elle s'adonne à sa passion. Développée au fil des ans, la mosaïque. L'art de la mosaïque consiste à assembler des tesselles ou fragments de dimensions variables fixés sur un support à l'aide de liants. L'assemblage de ces tesselles forme ainsi un dessin au motif décoratif. Je dois choisir des couleurs comme la peinture ou le coloriage. On doit choisir les couleurs des tesselles. Et là, c'est une personne qui veut une khamsa dans le vert. Donc, je prends un peu de bleu, vert, vert. Là, je choisis quelques couleurs qui vont lui aller. À la base, les mosaïques hadou sont prévues pour les piscines, les salles de bain, les revêtements muraux. Oui. Et puis, les mosaïstes les utilisent pour la décoration artistique manuelle. Cet artiste mosaïste puise son inspiration et sa créativité dans l'harmonie des couleurs et des textures. Son désir est de transmettre du bonheur par ses œuvres et de partager un moment d'émotion avec ceux qui se sentent touchés par cet art. Je fais ça après vraiment fin de soirée ou bien le week-end. Voilà, le week-end, je reçois aussi des élèves qui sont intéressés par la mosaïque. Je les forme, je fais des sessions de 2 jours. Un art qui nécessite créativité, sens des couleurs, habileté. Sarah continue d'explorer et d'approfondir différents arrière-plans en créant selon ses émotions, son vécu et ses goûts. Empreint de vitalité et d'optimisme et de simplicité.